Bonjour tout le monde, je suis Frédéric Salimi, je suis le directeur de PMC World Pro. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on va customiser le concept de sécurité pour votre projet ou pour votre installation. D'abord, objectif de concept de sécurité. Le concept de sécurité a pour but d'assurer que le risque pour la vie, l'environnement, je voudrais, a été rendu tolérable ou rendu au niveau halal. Halal, ça veut dire aussi bon que raisonnable possible. Le concept de sécurité précise les mesures à prendre pour éviter exposition à des dangers potentiels. Minimiser le potentiel ou fréquence des événements dangereux. Contenir et minimiser les conséquences comme incendie, explosion, rejet de gaz. Fournir des moyens d'évacuation de ces dangers. Et assurer que l'installation ait été conçue selon la norme de sécurité. Et fournir un environnement de travail sécuritaire au personnel de site. Dans les concepts de sécurité, il faut mentionner principes de sécurité intrinsèques. Exemple, intensification. Par exemple, essayer de minimiser les quantités de substances dangereuses. Substitution, par exemple, essayer de remplacer de chaque matière dangereuse par une alternative moins dangereuse. Atténuation, utiliser les conditions moins dangereuses, en particulier en évitant toutes les conditions dans lesquelles matériaux deviennent plus dangereux. Limitation des effets, concevoir des installations qui minimisent l'impact de rejet de matière dangereuse. Simplification, concevoir les installations qui résistent le risque d'erreur de fonctionnement. Et tolérance aux erreurs, par exemple, concevoir les installations de sorte que même si quelqu'un fait une mauvaise chose, il n'y a pas de danger. Un exemple de ça, par exemple, pour la protection sous pression, si par exemple la pression de design il est plus grande des maximum pression opératoire, dans ce cas-là, c'est un principe de sécurité intrinsèque et il faut mentionner dans les safety concepts ou le concept de sécurité. Quand on met à jour le concept de sécurité, chaque fois qu'il y a une modification dans l'installation, il faut mettre à jour le concept de sécurité. Par exemple, je donne un exemple. Si, par exemple, dans les phases FEED de projet, dans les conceptions basiques, s'il y a un safety, un document de sécurité de procédé ou c'était concept, il faut être mis à jour dans les phases de détail au début du projet quand il y a un changement dans les plans, etc. S'il y a un changement dans le plan, les calculs d'explosion, ça doit être mis à jour parce qu'il a un impact dans les zones réglementaires, les protections urgences et protection des zones environnement. Ça, il faut mettre à jour des concepts de sécurité. Alors, quand on va donner le concept de sécurité, normalement, quelques mois avant la mise en service, on donne à un opérateur. Et le concept de sécurité doit couvrir le document principal de sécurité pour assurer la sécurité d'opération pendant tout le cycle de vie de l'installation. Il doit être référé
à les documents suivants. Le loi, réglementation applicable, document de projet relatif de la sécurité, spécification d'entreprise, code et normes internationaux et dérogations. Maintenant, je dis un petit peu le table de matière de Safety Concept. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le Safety Concept? On doit mettre une description des installations, un bref description. Il faut écrire un bref description en identification et examen de dangers comme hazard, hazop, SIL, etc. Et toutes les études de sécurité, comme par exemple protection contre chute d'objets, contre le grue, etc. Il faut parler d'évaluation de risques technologiques. C'est comme un PRA, ça veut dire ce qu'on appelle l'assessment de risque préliminaire, assessment de risque détaillé, DRA. Quantitative Risk Analysis, c'est analyse de risque quantitatif. Nœud de papillon, les études de ça pour identifier les barrières de sécurité pour prévention et protection et la réduction de risque. Élément important pour la sécurité, il faut écrire tous les systèmes et sous-systèmes qui sont importants pour les équipements importants pour la sécurité dans les concepts de sécurité. La philosophie de layout, est-ce qu'on a pris en considération la direction de vent? En placement de ISTV, pensons, est-ce que ISTV sont dehors de zone de feu, ça veut dire s'il y a un accident qui arrive, est-ce qu'il va endommager ça? S'ils sont à l'intérieur, il faut mettre la protection passive, ce qu'on appelle PFP ou infouchage. Zone de feu, pensons, qu'est-ce qu'on met dans les zones de feu? Par exemple, les installations sont divisées en différents fonds de zones. Par exemple, les zones de process sont séparées des zones de utilité. Zone restreinte, par exemple, s'il y a les nuages explosifs qui vont aller quelque part, quel est le maximum distance qui va aller? Ça définit les fences autour d'une installation ou s'il y a un bâtiment, s'il est à l'intérieur de son restaurant, on doit mettre à l'entrée d'air dans le bâtiment les détections de gaz et les actions appropriées. Zone impactée, ça veut dire autour d'installation, on peut pas, le public ne peut pas bâtir le bâtiment ou activité là-bas. Distance de sécurité entre les unités ou les autres installations. Quelle est la situation de zone dangereuse? Est-ce que pour les définitions d'équipements à texte et pensons pour définir ici, pensons un bâtiment, le porte qui sont à l'intérieur des zones classées, ils doivent avoir les SAS, etc. Danger spécifique d'installation, est-ce qu'il y a un danger spécifique? On peut discuter avec le client pour voir s'il y a un danger spécifique. Arrêt d'urgence OST, quel est le niveau de OST? Est-ce qu'il y a OST par exemple 1, qu'est-ce qu'il fait? OST 2, qu'est-ce qu'il fait? Chaque projet, il a différentes définitions de OST. On va voir avec l'installation comment on va le faire. Au niveau des défréciations, est-ce qu'il y a une défréciation par zone de feu? Est-ce qu'il y a séquentiel? Est-ce qu'il y a la défréciation totale? On va discuter ça. Le système de ventilation HVAC, est-ce que par exemple le bâtiment il est pressurisé? Est-ce qu'il y a entre deux d'air et va venir? Est-ce qu'il y a une impression positive, négative? Tout ça, on va discuter. Les gestions de drainage, par exemple, s'il y a un système de, par exemple, en cas de feu, s'il y a le système de déluge qui va initier, est-ce qu'il y aura inondation du système de drainage?
détection de feu et le gaz au niveau le seuil, quelles actions qu'ils vont donner. Alimentation de secours, bon, quelle est l'autonomie de UPS. Et installation d'évacuation et sauvetage. Et sécurité du personnel. Tous ces sujets, ça doit être mentionné dans le concept de sécurité et mettre à jour s'il y a une modification dans l'installation. Maintenant, je voulais vous montrer comment on peut travailler avec notre client pour mettre à jour personnaliser les concepts de sécurité. Ici, nous avons certaines formations pour l'ingénierie de sécurité. Et une des choses, la première, c'est le concept de sécurité. On voit dans le concept de sécurité, nous avons un espace de travail ici. Dans cette partie-là, notre client y met toutes les documentation relative à la sécurité dans ce répertoire. Et nous, on prépare ce qu'on appelle e-course pour le projet. En somme, ici, il y a un e-course. Et quand ça sera approuvé par un client, on le met en discussion. Et ces discussions, par exemple, ici, si vous voyez, ici, il y a le customer sharing, c'est un vidéo ici. Et clients ou les staff de clients, ils peuvent aller ici insérer soit le document, soit le lien web et discuter. Et après, notre expert, il donne le réponse nécessaire pour eux. Donc, dans cet espace de travail, il y a la gestion de tâches. Par exemple, compagnie, où ils vont donner les tâches pour nous. Il y a le système de delivery. Par exemple, chaque section, quand ce sera fini, on va faire avec un management pour donner ça à temps pour les compagnies. Il y a les contacts des gens impliqués, par exemple au niveau de notre expert et le personnel de clients. Et comme ça, on va développer un système de sécurité à jour pour notre installation. Maintenant, je voulais vous montrer quelques vidéos de CSP avec leurs recommandations. CSP, c'est un organisme indépendant aux États-Unis qui font une investigation pour les accidents majeurs dans l'installation chimique. The CSP found that lack of winterization procedures also contributed to a massive fire that took place in 2007 at the Valero refinery near Sunray in the Texas Panhandle. The fire occurred in a unit that used large amounts of high-pressure liquid propane. Years earlier, the unit had been reconfigured, creating a dead leg, or a section of piping without any flow of liquid. Dead legs are particularly vulnerable to the hazards of freezing, and the dead leg at Valero was blocked on one side by a leaky valve. These two serious accidents illustrate the importance of establishing effective winterization programs at refineries, chemical plants, and other facilities that handle hazardous materials. The CSB has established key winterization safety lessons that facilities should follow. Facilities should effectively identify and address the risk of freeze-related hazards to piping and process equipment through process hazard analyses, management of change evaluations, pre-startup safety reviews, and operating procedures. Create and implement a winterization checklist to ensure that their plant and process systems are ready for cold weather. Establish a formal written freeze protection program. Survey piping systems for dead legs and ensure they are properly isolated, removed, or winterized. January 22, 2018. The Prior Trust Gas Well in Pittsburgh County, Oklahoma. The well was operated by Red Mountain Operating, LLC, which contracted the Patterson UTI Drilling Company to drill the well. In order to change a drill bit, crew members removed the drill pipe from the well. Approximately 3.5 hours later, a blowout and rig fire occurred, killing 5 workers.
Jobs within the chemical industry for the location and design of control rooms, there is no guidance specific to drilling. As a result, the CSB made a recommendation to the American Petroleum Institute to develop guidance addressing the protection of onshore rig workers from fire and explosion hazards in the event of a blowout. The guidance will specifically address the design and location of the driller's cabin and establish minimum required evacuation methods from various locations on the rig.